Alors Charles, t'as pas coulé? T'es revenu en bonne vie. Salut Nasser. Ça va? Ça va? Mort de chez moi, je suis fatigué. Ouais, ça tue un peu là. Je sais pas ce que j'ai, mais je fais 4 pas sous moi. T'as trop dosé. Oula, je suis allé chez Denis, j'ai démonté une table. Je suis redescendu en bas, je fais raide. On m'a dit on va boire un coup, je dis non, c'est bon. Je suis fatigué. J'ai deux architectes et tout ça, ils vont faire un bateau et après, si vous pouvez participer. Ouais. Moi, personnellement, je ne connais pas le bateau, comment ça se fait, quelle boîte, tu vois, vous avez des contreplaqués, vous avez fait avec la résine, ça c'est... J'ai découvert des choses, on ne connaît pas, tu vois. Un nouveau produit. C'est bien, ouais. Ben, tombé dessus, tu as bien vu, je faisais de la mécanique sur une voiture et puis je me suis retrouvé... C'est vrai, tu réparais une bagnole. Ah ouais, je réparais une bagnole, c'est ça. Je réparais une bagnole, j'étais en train de changer les anti-brouillards qui sont en bas, là, et puis c'est là où je suis tombé sur votre chantier. Je dis, tiens, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et puis ça m'a paru bizarre. Après, je suis venu, j'ai parlé de lui, mais il dit, voilà, c'est un bateau. Et après, on a parlé de la concession du bateau, des différents trucs, comme comment ça se faisait, que c'était du bateau par couture, ce que je connaissais pas du tout. Ouais. Voilà, c'est là qu'on a parlé de ce que, comment moi j'ai connu les bateaux, comment on a d'autres bateaux. Ouais. L'atelier que j'ai participé, qu'on a fabriqué des bateaux. Et puis ça m'avait l'air complètement quelque chose qui était complètement folle d'un coup. De découvrir cette nouvelle formule. Quoi. Ouais. Et puis surtout quand tu m'as dit que ça existait depuis les Égyptiens, je me suis dit, c'est vrai. Comme ça, tu prends pour. Les Égyptiens, ils ont disparu, mais on n'en a toujours pas parlé, c'est bizarre. Voilà. C'est là aussi où je suis venu. Quoi. J'ai de la région brestoise. C'est bien de savoir qu'on sera en bateau et ça m'a permis de découvrir un métier aussi. Peinture à l'eau, peinture à l'huile. Peinture là, c'est spécial apparemment pour. En aval. Il y a la peinture des parkings, il y a la peinture des voitures, il y a la peinture, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas lui. Il y avait trop moi, de pièces, je suis venu lui chanter comment ça commence, tu vois les choses, tu dis non, c'est pas possible, ça va pas ça. Après, ça va. Mais comment ça se passe pour le permis du bateau? Et c'est qui vous a donné l'idée? De. L'idée de faire le bateau. L'idée de faire le bateau? C'est le petit bain qui a. Enfin non, pardon, c'est pas le petit bain. C'est. C'est Odyssée. Donc, vous ne pensez pas de faire un bateau et de faire le tour du monde, comme le Vendée Globe. Ah, voilà. Ouais, ça serait cool. Salut, Nasser. Salut, Hugo, comment vas-tu? Ça va très bien. Qu'est-ce que t'as pensé du bateau, toi, Hugo? J'ai pensé, voilà. T'as pensé, ça? Tu veux que je pense, quoi? Non, j'ai pensé, puis j'ai mis de la résine. Ah ouais? Ah oui, j'ai mis de la résine sur, qu'on appelle, les petits fils... En verre, là. Fibre de verre? Ouais, fibre de verre. Ouais, après, ça vient en plastique, après. Voilà, bien. Et au début, qu'est-ce que tu pensais que ça allait se faire ou pas? Ouais. Tu croyais dès le début, toi aussi? Peut-être pas trop du port, mais... C'est une goutte tout craché. Il observe, lui. J'étais juste curieux, comment ça se passait, au final. J'ai participé, c'était bien, ouais. Pour moi, c'est comme une activité de loisir, une activité qui est rare, mais qui peuvent donner aux plus jeunes. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? M'a apporté, je suis fière de construire ce bateau aussi aux autres, parce qu'on a ce qu'on appelle de la collectivité. La collectivité, c'est de la collectivité, c'est nous tous qui avons participé à ce projet, qui avons construit le bateau. Parce qu'au départ, on dit c'est un prototype, mais... Bon après, parce que j'ai une question, tu vas venir samedi ou pas? Dimanche, tu. En fait, tu dois voir. Mais non, mais il parle de samedi, parce que samedi, ils ont proposé d'aller à la bibliothèque François Mitterrand au bord de la Seine pour. Parce qu'il y a un nouveau bateau. Il y a un bateau qui est en provenance de Bretagne, mais qui est transporté par un camion. Ouais, et toi, du coup, Nasser, t'en penses quoi de la gueule qu'il a, ce bateau? Franchement, il est magnifique. Ouais, moi, déjà, je trouve que de ne pas l'avoir peint, c'est très bien. D'avoir laissé la conception en bois, c'est quelque chose qui est foudroyant, et puis il ne ressemble à aucun autre bateau. C'est unique dans son genre. Et vraiment, il y a un style différent. Complètement unique de chez unique. Sérieux, c'est... Moi, je trouve habituellement, tous les bateaux, c'est que du plastique, vraiment du plastique de chez plastique.
Et moi, si jamais vous, un bateau en bois dans des compétitions, c'est parce que. Parce qu'en gros, on peut faire une affaire, on peut aller, on peut donner dans des magasins et quand les gens qui ont payé ce bateau, on fait de l'affaire, mais aussi on peut faire des économies, voilà, on peut créer une entreprise. J'aime bien rentrer avec le Team Z. Non mais faire des sorties, la Méditerranée, tac. Peut-être 3 ou 4, et résiste combien à l'eau. Franchement, est-ce qu'on peut faire vraiment du business avec, faire du commerce, vraiment créer ce genre de bateaux, produire, créer un truc, vraiment. Non mais c'est vrai, franchement, là on peut faire de la terre, Non mais c'est vrai, on peut faire vraiment des productions vraiment de bois, vraiment, un bateau en bois, sans faire du plastique qui pollue tout le temps la terre. Là on peut faire des genres de trucs qui sont bien pour la planète, mais de bonne qualité, des pièces de bonne qualité. Bon, on veut pas. On va pas se faire pourquoi on peut pas se faire plaisir, juste construire des bateaux et au bord de la Seine, c'est pas, il y a beaucoup de vagues. Le bateau, est-ce qu'il peut tenir dans des grosses vagues, parce que j'espère qu'il va pas se tourner en arrière et parce que les vagues, attention, ils peuvent être violentes. Ben par exemple l'Ourcq, c'est pas vraiment, il y a pas de vagues. Bon, la Seine, c'est la Marne, ça bouge quand même. Ou des petites rivières, mais parfois ils sont privés, ça appartient à des locations, à des gens. Ouais. Ils doivent payer le lieu et voilà. Pour le bateau, c'est mieux parce que les lunes, il y a des paysages, on voit mieux. Ça dure combien d'heures en bateau pour faire Le Havre Paris? Au bord de la Seine, il y a combien de déchets? Il y a des tonnes et des tonnes de déchets, il y a des poissons. Les poissons, parfois, il y a du plastique à l'intérieur, c'est dégueulasse, c'est déjà mort. Mais tu peux t'arrêter sur la Seine, tu descends, tu manges après, on retourne. C'est quoi la couleur? Tout rouge, il n'y a pas... Tout rouge. C'est une fleur d'amour. C'est une fleur d'amour. Ouais, le bateau à nous, peut-être, est moins classe, mais peut-être ceux de Bretagne, peut-être, sont plus classe côté couleur. Vous avez un système pour la guider ou... Oui, c'est un système, mais c'est derrière. Non, un bateau plus large, mais un bateau qui a toujours une forme aérodynamique, mais qui reste quand même rapide, mais on doit transporter plus de personnes dans le bateau. Tout ça, actuellement, presque impossible. Deux, regarde. Là, c'est un petit peu, tu vois, serré. Et là, côté pointe, là, c'est pas génial. Professeur. Là, okay. Ben, on va avoir un bateau plus... capacitaire et plus de puissance et voilà, plus okay. On peut essayer sur la Seine, bon, on va essayer sur le lac, sur les petites rivières, bon, pas les rivières petites qu'il faut mettre, des grandes rivières de profondeur comme ça. Et après on va essayer plutôt l'Ourcq, l'Oise, la Marne et la Seine, pour juste essayer comment ça peut marcher ce genre de résistance au bateau. Voilà. Comment on peut appeler vraiment ces séries de bateaux? Il faut lui trouver un nom à la série. C'est pas. Comment tu les appellerais? Bateau 00, le tout premier. Après, il y a le bateau 1-1, et après le bateau 2-2, des séries. Ok. Et séries. Bon. On va écrire BA. Bas 1, bas 2, tu vois, des séries. Non, mais trouve-lui un nom. Ouais. À la fin, c'est Ronaldo. Ça veut dire que dimanche, on passe pas, les deux heures qu'on va passer, ça va être rapide. Prépare des 10 000 euros pour faire... L'inauguration du bateau. Samedi. Ok, bon, salut. Et puis en plus, ça rapporterait, il y a certaines personnes ici, ça la rapporterait au point de vue fabrication. Fabriquer un bateau pour une personne comme Alex, qui c'est la première fois qu'il le fait et tout, ça a dû lui apporter quelque chose de formidable. Ouais. À ça et puis d'arriver à la fin, de concevoir vraiment la chose. Et nous, on ne peut pas dire, moi j'ai quand même, j'ai un bac plus 2, après j'ai fait projeteur, après les bureaux ne m'intéressaient pas, je suis revenu. Oui.
Tu as déjà eu tes expériences. J'ai des expériences qui sont quand même relatives. Mais pour une personne qui vraiment concevoir la chose du début jusqu'à la fin, ça apporte à l'humain, au point de vue humain. Bonsoir. Un respect en soi-même et puis une force d'activité incroyable.